Aurélien Buteri, qui est ingénieur recherche innovation dans le groupe Aperam. Fabrice Lallemand, qui est enseignant-chercheur et CEO d'Afuludyn. Donc Afuludyn est une jeune start-up issue de laboratoires universitaires et nous sommes fabricants de lubrifiants. Aperam, justement, cherchait des solutions innovantes pour s'affranchir des lubrifiants classiques. On s'est rencontrés au détour d'un couloir, je visitais le laboratoire FemtoST. Nous avons été présentés et rapidement autour de valeurs communes et surtout autour d'une idée qui a été jugée un peu folle au début. Nous avons décidé de partir dans le développement d'un lubrifiant et d'une façon de travailler nouvelle, une façon de travailler le métal et les aciers inoxydables plus particulièrement. Naturellement, être adossé à un grand groupe, c'est extrêmement important puisqu'il nous apporte tout le savoir-faire de la métallurgie, en l'occurrence ici pour le groupe Aperam, mais aussi de l'accès aux clients et aux différentes technologies. Donc ce qu'apporte Afuludyn à un grand groupe comme Aperam, c'est une façon de penser différente et puis une solution technologique qui nous amène à un résultat et vraiment une nouvelle solution pour nos clients qui utilisent nos aciers inoxydables au quotidien. J'étais dans la salle de bain avec ma fille qui se brossait les cheveux et elle me dit « Papa, tu vois, ça glisse sur la brosse à cheveux. » Vous voyez le glissement par l'inclinaison des épines de la brosse à cheveux. Eh bien, c'est ce qu'on a reproduit, nous, et c'est ce qu'on a breveté. Donc depuis 7 ans que nous travaillons ensemble, nous avons finalisé le produit, ce qui a donné lieu à un brevet que nous avons déposé conjointement entre l'université et la société Aperam. Et nous avons aussi écrit un certain nombre d'articles scientifiques sur ce sujet. Parce que c'est vraiment la brosse de sa fille. Oui, c'est vraiment la brosse originelle. Ça fait 7 ans que je me balade avec, donc j'ai pas envie de la perdre.